Bonjour les amis, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Bah ça m'a manqué. Pardonnez ma tête, hein. Je suis du matin. Oui. Donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est remettre ma tondeuse en route. J'ai bien lavé le filtre avec du liquide vaisselle et tout, je l'ai laissé sécher. On va voir si c'est ça. Bon. On va essayer. Sinon, je passerai à la débroussailleuse. Il n'y a pas le choix. On va laisser l'herbe pousser comme ça. Ah si, il y a un truc que je voulais vous montrer. Mais oui, entre-temps, j'ai travaillé un petit peu aussi quand même à l'extérieur. J'ai surtout été visiter mon potager. Et j'ai vu quelque chose. Donc, voici mon petit bricolage. Je pense que vous avez compris. Ça signifie que mes haricots verts sortent. Mais par contre, avec le froid, ça me rassure pas trop quand même. J'espère qu'il n'y aura pas de gelée. Regardez. Il sort sa petite tête. Là aussi. Bon, il n'y en a pas partout. Hein. Mais bon, c'est les premiers. Les choux sont bien vigoureux. Hein. Ils sont beaux. Bon, vu le froid, je ne m'inquiète pas plus que ça pour les insectes. Hein. Ma première rose jaune est ouverte. Elle est trop belle. Je dirais même magnifique. Bon, les roses trémières commencent à vouloir repartir un petit peu. En fait, elles ont été aussi agressées par les pucerons, par les limaces. Donc, j'ai mis les derniers granulés que j'avais. J'étais à Super U et je n'ai pas retrouvé. Alors, bon, il faudra que j'aille dans un magasin spécialisé. Ça va me coûter une blinde encore. Ma rose violette commence à faire des bourgeons aussi. Enfin, violette mauve, elle est trop belle. Hâte de vous la montrer. C'est une merveille. Et les petits radis commencent à grossir un peu. Par contre, ça fait plus de 18 jours. Hein. Bon, allez, le travail va pas faire tout seul. Hein. Enfin, je me bouge. Bon, bah, toujours le même résultat. Tant pis. J'ai une bonne nouvelle en tout cas. En fait, j'ai pas fait de vidéo dimanche parce que j'étais vraiment très très fatiguée. Parce que samedi, en fait, on a couru un peu partout pour trouver une solution pour la voiture. Et j'ai une nouvelle titine. Bien sûr, la condition c'était qu'elle ait une tache remorque et que ce soit une break. Mais il faut ça pour tous mes matériaux, hein. Ce qui veut dire que je vais pouvoir continuer mes travaux. Retourner chercher mes tôles à la déchetterie.
Et tout, et tout. Oh, je viens de voir un truc. Oh, faut que je vous montre. Regardez-moi ça. Oh, la taille de la fleur. Immense. Waouh. Attendez, je vais mettre ma main à côté. Vous voyez? Elle est énorme. Il y a celle-là aussi qui commence à fleurir. Regardez, ces toutes petites fleurs délicates. Elles sont jolies, hein? Oh là là. Bientôt, je vais pouvoir désherber ici, là. J'espère. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma glycine. Oh là là. J'en reviens pas. Et à propos de plantes, ce serait bien d'aller voir les petits plants. Ce que ça donne. Ben oui. Moi, il y a les petits choux verts là-bas qui commencent à sortir. Les brocolis, il faut que je divise. Va falloir que je m'y mette. Hein. Oh, la taille du persil. Va falloir que je commence à l'acclimater pour le mettre dehors, lui aussi. D'ailleurs, je me tâterais bien aussi de repiquer les frisés à côté des autres salades. Risque rien hein, sous la bâche. Mes courgettes. Oh, j'en veux, c'est pas des courgettes, c'est des citrouilles, Katoun. Mes citrouilles, il va falloir les diviser aussi, là. Ah, mes petites salades reprennent un peu. C'est long à pousser les laitues, hein. Je savais pas que c'était aussi long. Les poireaux, c'est pareil. Mais il fait vraiment très froid quand même. Hein. Même pour les acclimater, je trouve que c'est pas top. Regardez. Les carottes. C'est mignon. Bon, je peux pas filmer plus que ça parce que c'est compliqué. Bah la persévérance paye hein. Bah j'ai mis le temps quand même. Ouh. C'est quand même mieux qu'avec le débroussailleur. On voit la différence. Là c'est fait avec la tondeuse. Et là-bas le débroussailleur. J'ai l'impression que ma tondeuse est timide. Elle veut pas se faire filmer. Vilaine. Avec toutes ces émotions, j'ai bien mérité un petit café. Oui.
Bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais sous la main. Mais là, franchement, ce que j'ai mis, je pense pas que ça bougera. Ça donne exactement comme je voulais. C'est trop top. Ça valait le coup de pas dormir. Ouais. Bon, bah, maintenant, j'ai plus qu'à l'azurer ce coin-là et puis je pourrais poser mon petit bougainvillier. Ouais. Ça donne pas mal quand même, hein. Faut s'imaginer avec des fleurs et tout, ça va être trop bien. Bon, bah, je vais m'arrêter pour ce soir, hein. C'est déjà pas mal, je trouve. Donc demain, ce que je vais faire, c'est je vais continuer. Bah, si tout se passe bien, s'il pleut pas, bien sûr. Normalement non, mais bon. J'annonce de la flotte à la fin de la semaine. Mais une hausse de température, par contre, c'est mieux. Je craindrai moins pour mes haricots. Ouais. Donc demain, ça sera les chevrons. Je poserai le reste des chevrons et j'irai chercher les quatre autres au tôle. Bah oui, maintenant que je peux les transporter. C'est cool. Ouais. Et puis jeudi, ce qui serait bien, c'est que je finisse le dernier côté de haie. Après, ça dépend les horaires de mes enfants, quoi. Ouais. Donc je vais vous laisser. Mais je voulais vous remercier beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires. Franchement, ça fait chaud au cœur. Ça fait du bien. J'adore partager avec vous. C'est vraiment des moments trop sympas. Au revoir.